Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère ou ma sœur dans la foi, il existe des épreuves qui font plus mal que les autres, particulièrement celles qui concernent la séparation entre deux êtres qui s'aiment à fond. On a tendance à exalter l'amour que l'on porte à notre complémentaire, mais oh combien, l'amour pour un enfant est plus profond. Je m'adresse ici à tous ceux et toutes celles qui souffrent de ne plus voir leur gosse en raison d'une rupture, d'un divorce ou d'une séparation. Je m'adresse aussi à tous ceux et toutes celles qui, sans scrupule, font de leurs enfants un moyen pour blesser, affecter, se venger de l'ex-conjoint, de sorte qu'ils deviennent le terrain d'une rivalité à même de provoquer leur destruction. Subhanallah. Il existe des couples qui ne sont pas spécialement dans la religion, mais qui parviennent pour autant à assurer à leurs enfants une saine évolution. Mais qu'est-ce qui cloche dans la tête de ces musulmans pour que l'amour laisse place à la haine, à la moindre blessure? Mais qu'est-ce qui cloche dans la tête de ces gens qui ne parviennent pas à prendre en compte l'intérêt de leur progéniture? Aussi, quand il est impossible de raisonner et de discuter calmement avec un ex qui ne veut pour toi que la guerre, le conflit ou la torture. Alors prends la difficile décision, mon frère ou ma sœur dans la foi, de renoncer à tes droits de parenté, et ce, pour épargner à tes enfants cette douloureuse déchirure. Des fois, il suffit juste de ne pas être affecté pour que l'ex lâche prise, car l'excitation d'un parasite à faire du mal est souvent proportionnelle à notre blessure. Mais parfois, c'est Allah qui veut nous éprouver par la perte d'un être cher, de sorte que notre amour pour lui devienne plus fort, devienne plus grand, devienne plus pur. Rien ne nous appartient ici-bas. Il donne et reprend à qui il veut. Et si tu places ta confiance en lui comme il se doit, wallahi, ton enfant te reviendra, demain ou dans plusieurs années, sois-en sûr. D'ici là, ne t'écroule pas, s'il te plaît, même si je sais combien c'est dur, et tu sauras qu'une telle épreuve, si elle est surmontée, elle te conférera une spirituelle armure. En effet, quand la douleur est maîtrisée par la patience, elle devient pour le cœur telle une nourriture. Et wallahi, je suis vraiment étonné par la beauté intérieure de ces gens qui parviennent à vivre malgré que leur poitrine soit amputée à chaque fois qu'ils verront des enfants à même de leur rappeler le leur. Absent.